Petite question que je voulais vous poser parce que je me la pose et que je n'ai absolument pas la réponse et je ne sais pas trop à qui je peux demander, donc je vous le demande à vous. Je voudrais me faire tatouer une phrase en arabe. J'adore, je trouve ça, j'adore cette écriture, j'adore. Et en fait, je voulais savoir si dans l'arabe, il y avait différentes polices comme dans le français, comme je sais pas, l'écriture comique sans MS, Arial. Arial, enfin voilà, toutes les polices comme ça en français. Est-ce qu'en arabe il existe des polices ou est-ce que non, puisque vu que c'est déjà des. Je sais pas comment dire. Ben, du coup, il n'y en a pas. Voilà, c'est la question que je me pose. Donc si vous pouvez me répondre juste là. Merci. Vous m'expliquez un truc. Pourquoi on aime autant ces petits pieds? Ces tout petits pieds de bébé, on les aime autant. Et pourquoi quand on voit les pieds d'adultes, c'est des pieds pourris? Bon, j'ai envie de faire des bisous. Non, ça m'est jamais arrivé, hein. Personnellement, à part les pieds de bébé que j'ai envie de bouffer. Les antisèches. Voilà, c'est dans ma tête et ça part pas. Alors je me dis au début, tout le monde me dit non, mais pas d'extension, nani, nana, donc j'en mets pas. Parce que j'écoute les gens. Mais en fait, l'idée, elle part pas de ma tête. Et bon, à un moment donné, je me dis, bon, bah, tant pis, au pire, je vais mettre des bandes là. Ou je sais pas, et puis je les garderai 2 mois et après ça me gonflera peut-être. Mais voilà. Mort de rire, on vient de faire une vidéo. Et je me suis aperçue que monsieur, il récupère tous mes petits filtres sur Snapchat et Instastory, tous ceux que j'utilise pour pouvoir me les mettre sur la tronche quand on fait des stories ensemble. Comme ça, Ou sur la base. non, je suis pas de temps. Si, parfois à l'occasion. Mais non, c'est princesse. Oui. Je me suis aperçue que ma fille ressemblait à mon fils. Je regardais les vidéos hier de mon fils de quand il est né, tout ça, enfin toutes les petites vidéos. Et en fait, je me suis aperçue que ça y se ressemble en fait. Je m'en étais pas aperçue au début. Je trouvais qu'elle ressemble à ma mère. Et en fait, bah, elle ressemble aussi à son frère. Pour la couleur des yeux, elle a également les yeux assez clairs pour l'instant. Mais bon, après, vous savez, il faut quelques temps pour savoir la couleur. Je l'aime trop. J'ai envie de la bouffer. Là, là, ici, tout là, tout là, tout là. Cette odeur de la vie. Oh. Bon, je sais pas si c'est l'effet ostéo ou l'effet. Je sais pas. Mais en tout cas, je me sens bien. Je peux croquer le monde à pleine main. Ah, frère. Franchement, ça On fait est pas au trop trop, là. du bien. Non. Ça fait trop du bien. J'ai l'impression que mon corps il est tout neuf. Bon, l'ostéopathe, c'est fait. Là, on a juste des papiers à signer. Et ensuite, on va se faire un petit McDo. Voilà. Non, c'est parce qu'on est des gros, tout simplement. Ça arrive aussi, du coup. Alors, trop bizarre parce que tout à l'heure, quand je suis sortie de chez moi, limite, j'étais à 2 doigts de faire une crise d'angoisse d'être dehors. Je sais pas, je me sentais pas trop bien. Non, et là, pour de vrai, alors je sais pas si c'est qu'elle m'a touché la tête. D'ailleurs, j'ai tendance à serrer les dents. Elle m'a décoincé toute la mâchoire. Bref, vous en foutez. Mais juste pour vous dire que là, je me sens mieux. Alors, c'est trop bizarre parce que tout à l'heure, je me suis dit, mais je suis dehors et tout. J'étais pas bien. À 2 doigts de la crise d'angoisse, c'est horrible. Je suis angoissée en ce moment. Et il faut que je prenne du magnésium et tout. Donc, bref, voilà. Juste pour vous dire. Bravo! Baba! Appelle papa! Non. Papa! Baba! Papa! Il est où? Il est. Je sais pas. Je crois qu'il avait Lily. Lily. Eh ouais. Lily. Lee Wayne. Ouais. Comment tu dis toi? Lee Wayne. Yo-Yan. Lee Wayne. Bobo. Non, c'est pas un bobo, Mylon. Et baba! Histoire. Histoire. Tu veux faire que les histoires, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait en une autre. Cécile. Celui-là aussi, d'accord. Merci. Celui-là aussi, d'accord. Le journal des enfants. Un jour, Babar propose aux enfants de faire un journal. Flore pense que c'est bien difficile. Difficile. Mais oui, c'est difficile de faire un journal. Bonjour. Quoi? Mais tiens, maman. Mais monte, je t'aide, donne. Je t'aide à te donner la main, là. Eh ouais. Ouais. C'est le fils à sa mère. Je vous remets ma mère de ses cons. Qu'est-ce que tu manges? Qui t'a donné ça? Qui t'a donné ce gâteau? Chocolat, monsieur. Comment tu veux que je dise non? Petit crapaud. Allez. Chocolat. Il rit comme il nous regarde. Regardez quand on se fait des gâteaux. Tourne. Qu'est-ce qu'ils font, papa et maman? Et Mylon, papa? Je me suis
suis dit, allez, Mylon, il a la sieste. On part tous à la sieste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mylon, il a pleuré d'un coup. Il a dû s'endormir pas longtemps et faire un cauchemar. Et du coup, je suis allée dans le lit avec lui. Bah, sauf qu'il m'a regardé fermer les yeux pendant au moins 20-30 minutes. Je gardais les yeux bien fermés. De temps en temps, j'ouvrais comme ça, voir s'il dormait. Il me regardait dormir, en fait. Sans bruit, il me regardait juste. Et je me suis dit, bon, il va arriver à s'endormir. Et en fait, il a pas réussi. Après, j'ai ouvert les yeux. Il me disait, chaussette, jeune. Il voulait que me parler. Donc, on a dit. Oui. Quoi ? Sale, sale. Ah, c'est sale. On nettoie. Le tissu. Quand c'est pas un qui est réveillé, c'est l'autre. Tu veux qu'on discute ? Mylon, il vient de partir jouer papa à la balançoire. Toi, tu veux faire quoi ? Oui. Tu veux aller à la balançoire, toi aussi ? Un grand et un petit. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma vie, cette odeur. Quoi ? Tu veux discuter ? Tu veux répéter, toi aussi, comme les perroquets ? Tu veux répéter comme les perroquets ? Eh oui, je suis ta maman. Je ressemble à ça. Je ressemble à ça. Tes petits pieds qui bougent de partout. Eh oui, ils n'arrivent pas au bout, là. Regarde-moi ça. Petite. Ça, c'est ce que j'ai. Petite. C'est ce que vous avez. Donc, comment donc changer. Ils ne bougent pas, je m'écris avec. Il y en a une, elle est en train de casser le lit. Enfin, casser le lit, casser les nénés, plutôt. Ah oui, tu m'as entendu ? Eh ouais. Qu'est-ce que je vous disais ? Je sais plus. Oui, j'allais vous dire que quand on se croise avec mon mari, hein, c'est vrai quand t'as deux enfants, mais quand il y en a un qui est avec l'un, l'autre il est avec l'autre. Quand l'autre est avec l'autre, l'autre il est avec l'autre. Enfin bref. Ah, c'est la vie de parents. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Non, c'est une vie trop bien. C'est tout... Quoi ? Quoi ? Tu veux discuter avec maman ? Quoi ? Dis-moi. Tu penses que toi aussi tu veux jouer avec Mylon ? J'ai trop hâte qu'ils jouent tous les deux ensemble. Enfin non, j'ai pas hâte parce que j'ai vraiment envie de profiter d'elle toute petite. Ça va trop vite, je me suis rendu compte. Je vous disais, ça va trop vite. Ça va trop vite et je me suis pas rendu compte quand j'avais Mylon que ça allait passer si vite. Je savais pas que ça grandissait trop vite. Donc là, j'ai envie que ça aille tout doucement. Voilà. J'ai envie de profiter. Tu peux rester mon dernier petit bébé pour longtemps pour que je puisse bien profiter. Ah, tu lèves la tête? Parce qu'après, ça devient vite un nourrisson, un bébé, puis après un bébé, un petit enfant et un... Oh là là, Mylon, il a reçu toutes ses petites tutus. Alors là, ça va faire un heureux. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un colis, donc ce que j'ai... Ah, c'est ça. Je fais toujours mes crèmes, je fais attention. Hein. Moi, sauf à midi que je me suis fait McDo, mais sinon, c'est... j'essaie de faire attention. Je fais mes crèmes, je prends mes trucs. Enfin, là, tous les midis avant mon repas, je fais les shots d'entreplat. D'ailleurs, merci à Auré. Toute ma vie entière, je marche à pieds nus.